Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une livraison de Force of Will avec mes superbes affiches en tissu présentées derrière. Alors je suis désolé, il y a plein de plis. Je suis en train de regarder l'écran là, ça doit pas être super joli. Je verrai au montage voir ce que ça donne. Si vraiment c'est trop moche, j'arrêterai de les utiliser en vidéo. Donc j'ai reçu un réassort de pas mal de produits Force of Will. J'ai reçu donc du deck Melgis et Faria, donc ça j'en avais encore mais j'en ai récupéré pour pas être en rupture. J'ai récupéré de la deckbox traditionnelle rouge Force of Will en qualité standard. J'ai récupéré la version luxueuse en imitation cuir, fermeture à clapet aimanté. J'ai reçu la grosse boîte cartonnée, donc là elle est à plat mais elle se monte, ça fait un petit, une petite boîte comme ça rectangulaire pour ranger 600 cartes, donc ça j'en ai récupéré. J'ai récupéré le tapis de jeu. Je suis désolé, ça va faire du bruit. Le tapis de jeu. Je n'étais toujours pas en rupture. Je voulais vous les refaire voir, mais vous les aviez déjà vus de toute façon dans une précédente vidéo. J'ai les tapis de jeu ultra pro. Donc vous avez ces Arla, je crois qu'elle s'appelle celle-ci. Enfin voilà, c'est les trois modèles que j'avais. Vous avez Alice. Et l'autre, je ne sais plus son nom. Donc, c'est les trois modèles que j'avais déjà. Donc, ça, j'en ai encore. J'ai récupéré du display The Moon Priest Return. Donc, ça, ça commence un petit peu à se faire rare. Et celle-ci, c'est The Millennia of Ages. Donc, voilà. Profitez-en tant qu'il y en a. Parce que ça va pas durer très longtemps. J'ai toujours mon stock de boîtes La Maraudeuse de Crépuscule en français. Ça, c'est pareil, c'est une denrée qui va se faire très rare. Donc, tout ce qui me reste, c'est tout ce que vous voyez ici. Derrière, j'en aurai plus d'autres. J'ai récupéré de la Protège Carte, Force of Will, de la Dread, toujours en Force of Will, en illustration, en Protège Carte illustrée, pardon. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai récupéré qui existait déjà. Je voulais vous faire voir en tout cas les nouveautés qui sont ces trois nouvelles deckbox que je n'avais pas avant. Donc je vais vous les faire voir hop sur ma petite caméra. Elles sont vraiment très jolies et du coup vous allez reconnaître en fait l'illustration des tapis ultra pro que je viens de vous faire voir. Donc ils avaient fait les tapis, ils font les deckbox et je vais très bientôt recevoir les protège-cartes. Donc il faudra surveiller le site. Voilà, donc les deckbox ultra pro officiel Force of Will illustré. Donc comme d'hab avec des illus assez travaillés. Toc. Je vous fais voir un petit peu mieux. Voilà. Hop. Donc ça c'était pour les produits à la vente. Hop, j'ai aussi des lots de pierres magiques foil à vendre. Donc vous avez les 5 éléments. Alors ça, je vous fais voir brièvement. Je les vends à l'unité, mais je fais un lot en fait avec un prix réduit si vous prenez les 5 d'un coup. Voilà. Donc les 5 pierres magiques foil. Donc ça, vous les retrouvez sur le site directement à la vente. J'en profite tant que je suis là pour vous montrer les cartes promotionnelles du mois de février qu'il y a à gagner. Donc vous avez la pierre magique de lumière en foil avec ce dessin là et vous avez Alice, très jolie. Donc voilà, ça c'est en carte promo les cartes du mois de février qui sont à gagner. J'ai toujours des cartes du mois de janvier, elles sont encore disponibles, donc je les utiliserai pour vous récompenser hein, sur les tournois et les ligues, au même titre que les cartes de février. Écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés. C'était une toute petite vidéo. Donc là, les choses les plus importantes à retenir, c'est les nouvelles deckbox, les lots de pierres magiques, et puis il y a encore à peu près toute la gamme de disponibles, profitez-en. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut !